Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 74e épisode de Starfield, et aujourd'hui, Marco aurait dû nous écouter. Allez, c'est parti. Ok. Tu faisais une petite sieste, encore ça fait un moment que j'ai pas fait une petite sieste. Ah. Quoi de neuf? Tu m'as servi d'amortisseur, c'est très gentil déjà à toi. Allez. Tu me liras une histoire ce soir avant de dormir? Oui. Même pas, tu me liras une histoire ce soir. Oui, pourquoi pas. Alors, Fortuna. C'est un forge de vaisseau. Vu la ligne. Marco s'est bien débrouillé. Un peu trop bien, même. C'est mon avis, en tout cas. Cette musique va finir par m'endormir. Vous avez de la chance de pouvoir rencontrer Marco. Pourquoi on n'a pas une pièce comme ça, pleine de trophées à vous couper le souffle? Histoire de se vanter un peu, quoi. Ah, la douce regard. Parce que ça fait quand même énorme, là, pour un vaisseau. Bienvenue. Le message de Maid ne disait pas pourquoi vous vouliez me rencontrer. Si vous voulez du travail, mon organisation est toujours à la recherche de pilotes et de gens prêts à prendre des risques. Mmh. J'ai quelques questions au sujet de la première. Oh, je vois. Vous avez du mérite. Je suis un homme difficile à localiser. Même si nous n'avons pas spécialement fait profil bas ces derniers temps. Vu la nature du contrat, un certain degré d'exposition a toujours été un risque. Mais un risque calculé. Pour être honnête, je crois que le Major cherche la confrontation avec les Rangers. Mais je dois avouer que je suis un peu déçu que le Marshal ait envoyé un député au lieu d'un vrai Ranger. Ce simple député pourrait bien vous surprendre, Marco. Et qui êtes-vous? Je suis Samco. Un nom bien connu dans toute la Confédération Liberastra. Quel honneur d'accueillir un descendant du grand Solomon Co. Oui, enfin, ce nom signifie sans doute plus pour vous que pour moi. L'avenir de votre camarade député pourrait être radieux. À condition de garder nos têtes. Effectivement. Est-ce que le Major cherche à provoquer une confrontation? Pour régler ses comptes. Le Major Hull s'est distingué pendant la guerre coloniale. Mais les chefs de la Confédération Liberastra l'ont trahi. Pour lui, les Rangers sont les hommes de main d'un conseil des gouverneurs corrompus. Ça fait de vous ses ennemis. En ce qui me concerne, je ne vois pas d'intérêt à ruminer ces vieilles rancunes. Je pense à l'avenir. Alors, je termine pas le jeu ce soir, est-ce qu'il y a... En plus, Je délaie un peu la quête principale par plaisir de continuer. Je veux tout savoir sur les opérations de la première ainsi que l'identité de votre commanditaire. Je ne sais pas si vous avez bien conscience de la situation, député. Vous êtes sur mon vaisseau, avec mes gardes, qui n'hésiteront pas un instant à vous tuer. Je suis un homme d'affaires. Si vous voulez que je coopère, vous devrez faire quelque chose en échange. Je ne vous dirai pas tout. Je suis toujours loyal à mon unité. Mais je peux vous indiquer la bonne direction. En échange, je veux que les Rangers arrêtent de se mêler de mes affaires. Hors de question. J'ai une meilleure idée. Je vais vous dire quelque chose que vous ne voulez pas savoir, alors qu'il le faut. Le Conseil des Gouverneurs est un groupe de menteurs avares et corrompus qui se servent de vous et des Rangers pour protéger leurs propres intérêts. Vous croyez vraiment qu'ils ont quelque chose à faire des habitants de la Confédération Liberastra? Je ne le fais pas pour eux, je le fais pour protéger les innocents. Je ne sais pas quelle route vous a conduit ici, mais c'est la fin du voyage.
Dis-leur que Sam t'envoie. C'est le moment de danser. Pas bien malin de se mettre sur mon passage. Ravitaillement. Attention. On va t'apprendre les bonnes manières à toi. Ton heure soit venue. Il est éliminé. Bougez, bougez. C'est le moment. Alors Marco, qu'est-ce que tu cachais ? Des tisanes à côté du lit. Un coffre-fort. Un peu de sous. La petite salle de bain de Marco. J'ai pris son rasoir. Joli petit bar. C'est tout, il n'y avait pas beaucoup de gardes en fait.
Et des jolies sculptures. Quartier de l'équipage. Laisse traîner des grenades dans les casiers comme ça. Mais ce qui doit secouer en allant dans l'espace, il laisse traîner des grenades dans les casiers. Il est joli son vaisseau quand même. Nouvel poste de pilotage. Tique alien. Ah, c'était pénible. Les quartiers de l'équipage, mais... Est-ce que ça peut bien se trouver ? À un moment donné, si c'est un vaisseau, de se piloter. Là, c'est les quartiers d'habitation. Ah bah là il y avait la commande de la tourelle. Alors là, je comprends pas. C'est un vaisseau ou quoi ? Ah ! Non, c'est cette porte.
C'est un vaisseau qui ne se pilote pas. Non mais ça se pilote forcément un vaisseau. Il y a le bureau d'accueil dans le vaisseau. Un truc pour aller là-dessus. Ouais, le poste de pilotage. L'arrière. Où est l'arrière, où est l'avant? L'étage est là. Et étage au-dessus. À part l'étage sur lequel je suis là. Y a pas d'autre accès, c'est par où? Toi, t'as que les tourelles, t'as pas...
Autre chose. Je veux le voler, le vaisseau. Il faut juste que j'accède au poste de pilotage. La porte. Elle se ferme. Ou qui s'ouvre. Je t'avais pas vu, toi. Sinistre. Mais ça fait partie du boulot. Il devint partout dans son truc. Figuration voudrait que ce soit par là-bas. Après, vraisemblablement, c'est juste un POI, c'est pas vraiment un vaisseau, quoi que ça. Je pars vu toutes les bouteilles de pinard qu'il y a à l'intérieur. Mieux qu'il y ait pas, que ça soit pas un truc qu'on puisse conduire. Ouais, plus safe. Ah mais après il est grand, mais j'aurais bien aimé le voler quand même, par principe. Mais ouais, il est balèze. Il est balèze. Ouais. Malheureusement, on saura jamais si on pouvait le voler ou pas. A priori, on peut pas. Je pense que c'est juste... C'est juste un POI, celui-là, c'est pas vraiment un vaisseau. Ah. Tout ce que j'en dirais, c'est que c'est mieux que l'UC. D'accord. J'ai vendu il y a pas assez longtemps pour... Je n'ai pas dans le coin. Revendre, j'imagine. Tout le monde. Si vous n'avez pas les crédits... Si je vous montrais plutôt. Si. Ah mais j'en ai sur moi. Retorse.
Nox calibré, je pense que je peux te vendre aussi. D'accord. Pour moi, voyager, je suis sûr d'avoir ce qu'il vous faut. Ouais. D'ailleurs, oui, t'as... Tu as du 50. Raffiné Beowulf, 104, technicien raffiné. Technophile raffiné, technicien calibré. Éclaireur calibré. Va-t'en. Rattler. Je regarde. Paf, paf, il est élémentaire celui-là. Là, c'est un calibré le Nova Light en furie que j'ai. Le paf paf là il est raffiné. Un disrupteur Nova Blast simple, j'en ai. Nouveau fusil d'assaut du vieux monde. On est bien. Donc on allait rendre notre rapport à qui? Au grand patron. Aquila est vraiment le cœur de la Confédération Liberastra. C'est une fierté d'aider les Rangers. Non, pas au grand patron. Alex. Alex. Bonjour député. Bonjour. Il paraît qu'on vous croise d'un côté à l'autre de la Confédération Liberastra en ce moment. Oui. Il vous plaît ce boulot? Ça va. Je vais faire un travail utile et une sensation extraordinaire. Je suis ravi de l'entendre. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Une nouvelle tablette chiffrée pour vous. Eh bien, qu'est-ce qu'on a là? Alors ça, c'est nouveau.
C'est effectivement très intéressant. Je vais voir ce que je peux faire. Si vous m'en apportez d'autres, j'aurai plus de contexte pour comprendre le chiffrement et accélérer le processus. En attendant, faites attention à vous, député. De ce que j'ai entendu, ces mercenaires sont impitoyables. Oui, je confirme. Merci, Alex. Personnel auxiliaire. Vaut mieux ça qu'être gratte-poussière sur Montara Luna. Je vous ai à l'œil. D'accord. Les rangers sont toujours à l'affût. D'accord. Oh, une peluche. Oh, un casier. Excusez-moi. Député. Bonjour. Comment ça va, Marshall ? Bien, Marshall, j'ai bien travaillé. Je crois que je vais m'arrêter là pour ce soir, Marshall. Mais merci à tous, en tout cas, d'être passés voir les aventures de Zoé. Moi, je vous retrouverai dimanche soir sur Station Ears en solo, pas de coop exceptionnellement ce week-end. Dimanche soir, Station Ears en solo. Mardi soir, on retourne sur The Invincible. Mercredi, on sera sur Love. Et vendredi prochain, encore un peu plus de Starfield. Donc, encore une fois, merci à vous tous. Je vous dis bonne fin de soirée. À dimanche. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.